Laurence Boccolini, l'animatrice de Tout le monde veut prendre sa place, a fait une grande annonce sur Instagram. Elle dévoile se lancer dans un nouveau défi sur les réseaux sociaux. Si est-il une des animatrices incontournables du PAF? Laurence Boccolini anime quotidiennement Tout le monde et veut prendre sa place depuis le départ de Nagui il y a 2 ans. Un jeu dans lequel elle a pu développer de vrais liens avec certains candidats, notamment l'ancien champion Sébastien. Elle est géniale, nous confiait ce dernier à propos de l'ancienne présentatrice du Maillon Faible. Nos échanges n'étaient pas répétés et il y a une certaine complicité qui est née et qui, je pense, s'est vue à l'écran. Les téléspectateurs ont également pu la retrouver à la tête de soirées spéciales comme Sketch Story ou pour commenter la finale de l'Eurovision dont l'édition 2023 est prévue le 13 mai prochain. Un nouveau défi pour Laurence Boccolini, l'animatrice de Tout le monde et veut prendre sa place sur France 2 aujourd'hui, si est-il un tout nouveau défi que cesse de lancer la maman de Willow. Dans une story Instagram, elle a annoncé à sa communauté de près de 170 000 abonnés son arrivée sur une célèbre plateforme de jeux vidéo. Bientôt sur Twitch t'es Real Boco depuis trop longtemps. J'ai très envie de vous parler et de vous écouter. Je vous dirai quand ça démarre. Elle suit donc la trace d'un autre animateur de France Télévisions, Samuel Etienne, qui rassemble plus de 580 000 abonnés sur le réseau social. Sans donner d'informations précises sur les revenus que lui rapportait cette activité, il en avait dit plus sur le fonctionnement de cette plateforme, la personne qui vous regarde, le viewer, peut s'abonner à votre chaîne moyennant 4-5 euros par mois. Mais ça ne lui donne rien en plus. En fait, ce n'est pas un abonnement, si est-il un soutien, a-t-il précisé dans l'émission On refait la télé sur RTL en octobre dernier. Des épreuves douloureuses pour Laurence Boccolini, l'ex-présentatrice du Maillon Faible. Si sur le plan professionnel, tout semble lui sourire, Laurence Boccolini a connu des épreuves douloureuses ces derniers mois. Après la perte d'une amie proche, la présentatrice de Tout le monde et veut prendre sa place avait annoncé le décès de sa tante, à qui elle a rendu hommage sur son compte Instagram. Elle m'a tenu dans ses bras le 8 mai 1963. Ma tata Caroline, tata Kikidine pour Willow, nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 101 ans. Elle était la sœur de ma grand-mère Victoria et elle a toujours fait partie de ma vie, a-t-elle notamment écrit. À lire aussi, désolé pour la voix, malade, Laurence Boccolini rassure les fans de Tout le monde veut prendre sa place sur Instagram.